Nicolas, bonjour. Bonjour Nicolas. Ça va bien? Enchanté. De Nicolas. Les amis, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bonjour. Donc voilà, aujourd'hui je suis chez Christophe. Donc l'endroit n'est pas anodin puisque Nicolas est venu donc présenter son système. Voilà, donc il est venu chez Christophe vu qu'ils sont amis. Et en même temps, moi je suis venu donc pour l'occasion pour écouter donc son système et qu'il nous fasse une petite présentation de son système do it yourself, voilà. Ouais. Donc Nicolas tu vas te présenter. Donc moi c'est Nicolas, voilà. Je suis fleuriste, grand amateur de hi-fi. Voilà. Tiens, tu peux te rapprocher vers moi. Vas-y. Et du coup, ça fait quelques années que je connais Christophe et il m'a fait une proposition de fabriquer ma paire d'enceintes. Ouais. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait ici donc, présentement. Donc ça, alors ce modèle d'enceinte là, ça fait combien de temps que tu travailles dessus? Alors l'idée a germé l'année dernière. Je suis reparti d'ici avec quelques haut-parleurs et l'année dernière, le 11 juin 2023. Ouais. Et donc, du coup, il m'a fallu à peu près un an pour finaliser. Pour faire la réalisation. Tout en sachant que... alors là, c'était un parti pris. C'était de réaliser une paire d'enceintes sans micro, en fait, sans prise de... Sans prise de son, en fait. D'accord. Donc c'était un petit peu scabreux, surtout que ben à la base j'aime beaucoup écouter de la musique, mais ouais. Je savais pas trop faire une enceinte. Ouais. Donc j'ai le droit à quelques conseils de la part de Christophe. Il m'a fait 2-3 haut-parleurs, 2 ou 3 condensateurs, 2 ou 3 bobines et tiens. Ouais, tu te débrouilles et un petit schéma et tiens, tu te débrouilles. Ouais, voilà. Tu vas infiltrer tout ça et t'essayes de faire quelque chose, quoi. Ouais. Mais avant de te lancer dans la conception d'enceinte do it yourself, tu es passionné de hi-fi depuis longtemps, enfin depuis quelques années, hein. Ouais. Moi quand j'avais à l'époque du lycée, 16-17 ans, c'était déjà... C'était déjà une passion, en fait. C'était l'époque qui faisait ça. Oui. Et puis, j'ai eu la chance, comme j'ai pu te le dire, qu'il y avait un magasin qui habitait... qui existait là où j'habite, qui ouais. S'appelait Studio 108 à Nogent-sur-Marne. D'accord, oui. Avec la personne qui avait ce magasin était ingénieur à l'INA et un des cofondateurs de la marque A2T. Oui. C'était Bernard Torossian. D'accord, ouais. Du coup, j'allais traîner chez lui tout le temps. Il m'a vendu une paire d'enceintes. Il me faisait écouter plein de hi-fi. Donc, t'avais déjà baigné quand même dans le milieu, dans quoi. Dans le milieu et d'avoir vraiment de la belle qualité. Ouais, ouais. À l'époque, il m'avait proposé de venir à son atelier pour faire une ébauche du caisson de grave qui aurait bien été avec les enceintes qu'il m'avait vendues. Ouais. Puis bon, il y a eu le bac, j'ai pas pu le faire. Et t'avais lâché le... Moi, j'ai lâché un peu le morceau et puis moi, avec le temps. Ouais, ouais. Voilà. Et là, plusieurs années après, t'es... Ouais, t'habites en appartement, d'écouter du son, ça devient un petit peu compliqué. Donc, ouais. Et bon, voilà, ça a changé. Et là, Christophe m'a proposé de faire un système. Donc, j'ai dit, bon, allez. Ouais, voilà, tu t'es lancé. On va essayer de faire le truc, quoi. Mais ce qui est bien, tu vois, là, c'est que, bon, alors les amis, c'est une première hein, sur ma chaîne YouTube là, de vous présenter du do-it-yourself. Et ce qui est fortement intéressant, en fait, c'est de voir qu'il y a des personnes comme Nicolas qui sortent. Enfin, pour moi, tu sors nulle part, tu vois, t'es pas connu dans. Non, vraiment, t'es, non, pas du tout. Voilà, ouais. C'est. Et il a réussi, franchement, je vous dis, les amis, il a réussi à faire un produit qui. Parce que je l'ai écouté, enfin, on l'a écouté un petit peu tout à l'heure, bien avant. Et ça sonne divinement bien. Franchement, je vous dis, c'est très bon. Merci. Et après, quand on voit même la qualité, il y a la qualité de fabrication, parce qu'il a fait aussi également toutes les l'ébénisterie, tout est fait... Non, j'ai pas fait les caisses. Ah, t'as pas fait les caisses. Ah, pardon, d'accord. Non. Mais sinon, c'est toi qui as réalisé le volume de... Voilà. Ah non, pardon. Non, oui, non, oui, excuse-moi. Pour les caisses. Sur le projet... Ouais. Alors, si vous suivez le YouTube de Christophe, vous aurez certainement vu ces caisses. En fait, c'était des caisses fabriquées déjà à l'époque en do-it-yourself, ouais. Avec un système SIAR dedans.
Mais avec Christophe, on n'avait pas fait de vidéo, je crois, sur... Non, mais sur son Facebook, il y a, y a une restauration de ses caisses. D'accord. Okay. Donc, il me les a proposées, il m'a dit, tiens, ça serait pas mal comme base. Ouais. Et après, bon, l'idée, c'était de partir aussi sur un large bande qui est ici. Ouais. Et qu'on, enfin, c'était l'idée de base. Ouais. De toute façon, après, je vais venir avec la caméra, tu vas pouvoir nous détailler voilà. un petit peu tous et, les Et donc tous ensuite, les éléments. Bah, le parti pris, c'était de, bah, de mixer, faire une sorte de recyclage ouais. et de mixer des aigus, des graves et ce médium qui était un petit peu la base centrale de, ouais. de, du projet. Le large bande. Le large bande, voilà. Qui est un large bande RFT. D'accord, oui. Donc, est-allemand. Ouais. Dans... Alors normalement celui-ci date des années 60-65. Ouais. Alors ça c'est les données Radio Muséum. D'accord, oui. Voilà. Oui, le site internet. Ouais. Voilà. Et ces haut-parleurs-là étaient dans des boîtes, des simples boîtes que j'avais aussi, hein, qui ouais. étaient, bah, quand on les voit, c'est très très anodin, quoi. Et il y avait ce magnifique large bande qui ouais. sonne superbement bien. Ouais, ouais, je confirme. Ouais. Et on voit beaucoup sur des sites japonais, ouais. Ils utilisent ces haut-parleurs-là pour faire des... Eux aussi, du do-it-yourself. Du do-it-yourself, mais belle qualité quand même. Et souvent, bon, quand il y a la traduction, on arrive à voir qu'est-ce qu'ils ont voulu faire. Et ils le conseillent de l'écouter fortement avec des amplis à lampe. Ah oui, d'accord. Ouais. Oui, parce que largement, c'est un haut-parleur voilà. au rendement ou enfin au niveau du rendement du haut-parleur. C'est... Alors là, d'après Radio Muséum, on serait à 99 dB, qui c'est. Bah, on est sur ouais du haut rendement, du coup, ouais, voilà. Le tube, ça se marierait bien. Alors, je pense qu'on peut montrer. Bah, je vais venir. Je vais venir avec ouais. Avec la caméra. Alors, hop. Hop là. Donc oui, les amis, ce que je vous disais, c'est que ces enceintes-là marchent merveilleusement bien et de toute façon, après, vous aurez l'occasion. On vous fera une autre vidéo avec une écoute des enceintes. Voilà. Alors, donc, tiens, je pense que là, oui. ici, c'est pas mal. Je regarde où est-ce qu'on est je la bouge. Le mieux placé, là ou là. Non, non. Bah écoute, ici, c'est pas mal. On a de la ouais. luminosité. Donc alors là, Nico, donc pour le. Alors voilà, t'as choisi cette conception-là. La conception. Ça a été de partir sur un baffle plan, ouais. qui est pas si évident que ça au niveau de la conception, mais une fois qu'on a compris un petit peu les principes, ça va, ouais. c'est gérable. L'avantage qu'il y a, c'est qu'il y a une scène sonore derrière qui est quand même assez top. Ouais, on l'a vu à l'écoute tout à l'heure. Ouais, ça... C'était assez sympa. Et alors, bah là, le problème, c'est qu'on l'a appris à l'envers, c'est-à-dire que normalement, on crée une enceinte par rapport à enfin, si je dis pas de bêtises, par rapport à l'enceinte de grave et à son volume. Oui. Là, je suis parti sur un volume qui m'était imposé, on va dire. Oui, voilà. À la vue de nez, là, il y a 65 litres en intérieur. Ouais. J'ai eu du 30 cm, du 25, du 29, ouais, et beaucoup de choses. Et puis, je me plaignais parce que j'arrivais pas à trouver du grave qui sonne bien. D'accord, oui. Jusqu'à trouver un diton. Donc là, le haut-parleur. Un Célestion. Alors, c'est un Célestion. Celui-ci, ouais. D'après les fiches, il serait à 29 cm et il était équipé sur les Célestions 551. Ah, les ditons 551, oui. Ouais, d'accord. C'est des enceintes 3 voix. Ouais. Le grave est très sympa. Donc, bon, une fois que j'ai trouvé le grave, c'était cool. Ouais. Le médium aigu, ça a été relativement facile à associer. À associer. Alors, j'ai eu de la compression. En alors, fait, là, quand tu dis association, sans filtrage ou. Enfin, non, si c'est filtré de toute façon. Ouais, filtré, mais filtré. Déjà de base. Voir si ça sonne bien ensemble. Voilà. Et, d'accord. Bon, après, il y a eu des problèmes de niveau, mais on s'est débrouillé. Ah, tâtonner, hein, parce qu'au début, je partais de rien du tout, quoi. Et après, là, t'es parti sur quoi? Sur le haut-parleur de. Le haut-parleur d'aigu, donc? Je suis un très bon Faustex FT30D. Alors, ouais. C'est un tweeter à dôme. Très, très bon. Ouais. J'avais eu des. J'avais une sorte de. Je crois que c'était une compression réalistique. Bon, là, c'était très criard. C'était ouais. pas. Réalistique, ouais, c'est très bizarre. Et j'avais aussi un ruban. Un tweeter à ruban visaton. Alors, d'accord, c'est ouais. très intéressant le ruban. Je pense qu'il y a des choses à faire avec des tweeters à ruban.
mais coupé très haut. Ouais. Enfin, de toute façon, tu auras l'occasion de refaire d'autres projets. Je pense d'ici là, une fois que t'es lancé après. Et une fois qu'on a trouvé l'aigu, le médium, c'était bien. Ouais. Il y avait les problèmes de niveau à régler. Donc au début, ça a été un peu la cacophonie. Ouais. Je savais pas ce que c'était qu'une résistance, un atténuateur. Donc bon, bidouille. Ouais. Puis il a fallu que t'apprennes un peu sur le tas. Voilà. C'était... Et après, Christophe m'a dit, tiens, tu mets des résistances variables. Ouais. Tu te feras moins. Bah justement, tu vas pouvoir nous parler de ce. Alors nouveau, le filtrage. De ce magnifique filtre. Non. Parce que là, on est quand même sur un. Voici un filtre. C'est un. Maison. Ouais. Un vrai filtre. Alors, un vrai filtre. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, 30 cm, 40 ouais. et 10 cm d'épaisseur. Ouais. Donc, les atténuateurs. Voilà. Qui sont ici. Donc, pour le qui, médium. En plus de ça, avec les baffles plans, c'est plutôt pas mal parce que ça dépend de la pièce et. Tu peux ajuster. On peut vraiment final, ajuster. Ouais, donc, au final, c'est un parti pris, mais ouais, c'est chouette. Et petit bonus, alors là j'ai du coup j'ai mes sorties qui sont reliées, je vais bouger ici, ouais. ici donc j'ai mes Twitter, je vais avoir mon médium et je vais avoir mon grave aussi câblé avec bon du câble, bon après on va pas rentrer dans les débats des câbles sans fin et stériles. C'est sûr. Donc bon là c'est de la belle qualité. Mais après, tu peux avoir ton avis également sur le sujet. Hein, ça n'empêche mais pas. J'en pense pas moins, mais bon, faut un minimum. Mais faut pas non plus tomber dans l'excès parce que c'est sûr, que on a vite fait de tomber dans la connerie. Ouais, ouais. Et là, j'ai quoi faire la bi-amplification. D'accord. Avec voilà. Donc parce que vu que ce magnifique haut-parleur ne fait que 4 watts, mais vu qu'il a été coupé. On n'exploite pas tout du haut-parleur, donc on peut lui balancer de la puissance parce qu'il est coupé entre 300 et 3000. Donc en plein dans la zone médium. Voilà, qui est très large. Ouais. Et c'est bien coupé parce que la membrane ne bouge absolument pas et on peut lui balancer. Oui, voilà. Et si j'ai fait une bi-amplification, c'est pour justement éventuellement amplifier le médium aigu qui est là avec un petit ampli à lampe. Ouais. Et puis derrière balancer un ampli. C'est intéressant ça, ouais. Qui envoie un peu plus de steak. Parce que j'ai cramé des à force de balancer, c'est à la maison, j'ai un ampli, je les écoute avec un Krone D150A qui fait 2x75 watts. C'est les anciens amplis de puissance Krone. Ouais, des années 70. Amcron. Krone, c'est Amcron, c'est européen et Krone c'est le vrai de vrai États-Unis. Ok. Et en préampli, j'ai utilisé un Sony STR7055 qu'on peut bridger en ampli ou préampli, pareil 75. Okay. Et bon, j'ai balancé de la sauce, pas mal. Et c'est souvent sur les musiques très douces qu'on a tendance à pousser le volume. Ouais. Et j'ai cramé des trucs comme ça qui étaient peut-être pas à la bonne puissance. Et ceux-là font 50 watts. Ouais. Et si je tire dedans, ça chauffe un peu. Ouais. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, une petite alimentation avec un petit ampli à lampe. Ce serait pas négligeable. Au niveau des condos, t'as mis quoi alors? 4 watts, hein. C'est pas très puissant. Oui, oui, voilà. Après, de façon, vu qu'on est sur du haut rendement, tu peux mettre justement du tube. Je sais pas, mais bon, oui, parce que je l'ai vraiment coupé, à baisser le niveau. Les condos, t'as mis du bon matériel. Condos, je sais pas. Là, si SCR. En plus, la taille des condos. C'est une usine à gaz. J'ai eu la chance de pouvoir tester tous les ordres. Premier ordre, deuxième ordre, troisième ordre, quatrième ordre. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des ordres? Alors, les ordres. Vite fait. Très rapidement. Bon, pour les abonnés qui suivent. Je suis fleuriste et pas physicien. Très brièvement. C'est premier ordre, les pentes vont être très, très douces et très longues. Donc d'accord. On va avoir des fréquences de coupure qui ne sont pas forcément trop sèches. Ouais. Et puis, on va monter, plus les coupures sont très sèches. Ouais. Et il ne faut pas se louper, en fait. D'accord, ok. Et bon, là, médium est. Alors, on a tout testé avec mon beau-frère, d'ailleurs. Ouais. Que je salue. On a tout testé une après-midi, premier ordre, deuxième ordre, troisième ordre, enfin tout. Ouais. Et il s'est avéré que le quatrième ordre irait très bien avec cela. Avec les médium aigu. D'accord, ouais. Et sur le
grave. J'avais fait quatrième ordre, mais c'était boxy, c'était très boomy. Ouais. Et on est revenu sur un premier ordre. Donc le grave est filtré uniquement avec une bobine. D'accord. Et là, premier ordre, donc une seule bobine, un seul élément, on est à 165 Hz à peu près, ouais. D'après les calculs. Et le grave joue et juste sa fréquence. Il va jouer jusqu'à 165 et continue à jouer pour venir récupérer elle qui commence à 300, 3000 et là ouais. 3000. 3000. Et il n'y a pas réellement de coupure, ça l'écoute. Ben ça se passe très bien, en fait, c'est la fusion, elle se fait très très bien, ouais. Mais je pense que pour les prochains projets, ouais, on ira peut-être sur la simplicité. D'accord, ouais. Qui sera peut-être pas l'élaboration plus simple, mais... Non, en tout cas, déjà, je trouve, bah, par rapport à ce que tu as pu réaliser, c'est un bel ouvrage. Est-ce que, justement, alors, c'est ça que je t'avais déjà posé la question, mais je le dis quand même, parce que peut-être que certaines personnes auraient pu poser la question. Je t'avais dit, justement, est-ce que la tête peut être inclinable? Et toi, du coup, tu m'avais dit que non, c'était calculé pour rester comme ça, vraiment. Alors non, non. Qu'on puisse la tourner, en fait. En théorie, oui, on pourrait le bouger. Maintenant, j'ai remarqué que la largeur du plan qui est ici devait correspondre quand même à la largeur du plan du grave. Ouais, voilà. D'accord, ouais. Parce que tu avais vu des différences. Ouais, non, à savoir que s'il y a un centimètre dedans, ça devient criard, mais c'est... C'est juste ça, c'est dingue, en fait, quand même. Le parlophone de la SNCF. Ouais. J'ai fait aussi 40 cm ici, pile donc, poil. Rien que ce critère-là de largeur est hyper important. Ouais. Le 40 cm, donc la côte extérieure de l'enceinte, là, plus de dynamique, plus rien. Ouais. Donc, c'est quoi? C'est un centimètre de chaque côté. Ouais, mais c'est assez dingue quand même que ça y joue énormément. Quoi, mais c'est vraiment, c'est du tout au tout. Ouais, ouais. Et là, et bizarrement, sur mes premiers modèles, j'avais tapé pile poil sur. D'accord, ouais. Et toi, là, tout ça, donc ça, c'est l'architecture, là, que ce soit fait comme. Enfin, là, au niveau de l'ébénisterie, ça a été. Ça a été évasé pour diffuser le son. Ouais. Je trouve que ça sonne vachement ouvert. Hein. Pareil, le baffle derrière à l'intérieur, je vais avoir un évasement. Je vais aussi avoir un évasement vu que la gamelle est posée par dessus, donc ça va être évasé de manière à ce que il y ait pas de que le bois soit pas droit. C'est ouvert. Son peut sortir comme il faut. D'accord. De toute façon, tout est étudié d'une manière. Oui, on dirait pas comme ça, mais les profondeurs des tweeters aussi, ça a été calculé. La profondeur entre ici et là, c'est pareil. Hein. Mais bon, ça a été calculé. Non, c'est à l'oreille. C'est à l'oreille, oui, parce que c'est ce que tu nous as dit. C'est un parti pris. T'as fait les choses avec tes oreilles, en fait. Là, pour le coup, t'as pas utilisé de courbe, de micro de mesure, Non, mais c'est intéressant, justement. Après, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Après, bon, ça reste très subjectif parce que j'ai pas les oreilles de monsieur tout le monde et voilà, peut-être qu'il y a des gens qui trouveront que ça sonne pas top. Ouais, mais bon, d'ordre général, quelqu'un qui te dira que ça sonne pas bien. Là, j'avoue, tu vois, il y a un moment donné où normalement, Je pense que Gaël a pas d'oreille. Bon, sachant que je suis sourd aussi, j'ai un vrai problème de sourdité. Ouais. Donc voilà. Mais après, ça t'empêche pas de reconnaître les timbres des instruments, la voix. Ouais, non, mais bon, déjà, premier projet. Très bon projet. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler de ton autre projet, Nico, qui est juste à côté, écoutez, parce que oui, bon, c'est intéressant. Tant qu'à faire, on va faire les deux en même temps. Ouais, voilà. Alors, le deuxième projet. Là, on part sur un tweak. Alors, un tweak, c'est on part sur une enceinte et vous me corrigerez si je raconte des bêtises, mais on part sur une enceinte existante et on fait en sorte qu'on la fasse sonner un petit peu mieux. Là, histoire de l'améliorer, voilà. Chose qui se fait beaucoup finalement au travers de certaines enceintes du commerce. Je suis vraiment tombé amoureux de cette marque-là, RFT. Ouais. La marque RFT d'Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Est, ouais. Je suis vraiment tombé amoureux de ces haut-parleurs. Ouais. Et du coup, j'ai récupéré une paire de. Alors, pour aller voir, une RFT K13 profil. Ouais. Alors, à savoir que elle est noire, elle est
plutôt moche. Après, il y en a qui aimeront peut-être. Vous avez le haut-parleur qui est ici et l'auto-parleur qui est décalé. Donc ouais. Moi, je suis parti sur le principe de les aligner. Ouais. La caisse, c'est de la récup. Donc, les RFT, les 4S font à peu près 10 litres de volume. Là, en calcul, on est à peu près à 18 litres. Ouais, quasiment donc, le double. On a quelque chose d'un petit peu plus gros. Ouais. Le travail qui a été fait dessus, c'est bon, pareil que pour les grosses, on renforce vraiment les parois. Ouais. D'ailleurs. Ouais. On sent que c'est quand même assez rigide. Il y a du poids. Et elles sont en scène close. Hein. En scène close, d'accord, effectivement. Ouais. J'ai mon épouse qui a vu les 4S et qui m'a dit « Ah, maintenant, ton projet, tu vas le faire en blanc et tu vas récupérer les, tu vas les récupérer les gris qui sont magnifiques et tu vas faire gris et noir. » Donc, En soi, c'est joli. Là. Ça ressemble pas mal, j'ai l'impression, et c'est l'Estion. Ouais. Mais je crois qu'ils font des blanches et... Mais j'étais pas au courant. Alors, j'étais pas au courant. Je crois qu'il y a une marque connue qui fait des enceintes en ce moment, blanche et noire. Bon, je suis pas au courant. J'ai pas cherché à copier. Ouais. Donc, là, on a les filtres d'origine. Oui. J'ai juste changé tous les chimiques. Ouais. Qui à l'origine étaient des chimiques en plus polarisées. Donc, d'accord. On a mis du MKP ou MKT. Je crois qu'on n'a pas été trop loin dans le délire. Ouais. Et pareil, au niveau du câblage, j'ai mis ce petit câble. Bon, ça, c'est du CA1 d'une grande maison. CA1, qui est très bon pour les tweeters. Et d'accord. Il a un câble ZEF Mini. D'accord. Ouais. Très bon pour les médiums. Ok. Et donc, c'est équipé là-dedans de ce câble-là. Tu l'as mis dedans, d'accord. Voilà. Ok. Alors, en plus, dessus... Ah, voilà, c'est ça que je voulais te demander. Les haut-parleurs, dedans, vous avez... Attends, est-ce que tu peux te mettre là pour voir avec la lumière? Voilà, comme ça, on aura... Là, vous avez un 20 cm. 21 cm. Donc, pareil, avec un énorme... J'avoue que c'est un sacré... sacré morceau, Référence L2926. Ouais. Bah c'est plutôt rare ou pas comme haut-parleur? Ou ça bah disons que ça les critiques, il n'y en a pas beaucoup. Alors l'enceinte, t'en trouves. Les haut-parleurs, on en trouvera moins parce que je les achète tous. Voilà. C'est un fournisseur officiel. Et non, mais à chaque fois, les critiques sont très bonnes en disant que c'est des enceintes qui sont à la base très audiophiles. Ouais. Et c'est le cas en fait. Donc avec le haut-parleur là. Donc ça c'est le haut-parleur et le Twitter. Et le Twitter, là c'est pareil, on est sur un Twitter œil de chat. Très beau Twitter avec pareil. À l'intérieur ils ont mis une mousse. Un aimant absolument monstrueux, je ne sais pas si vous voyez. L9806. Non, mais c'est pas ça, ils vont tous le rechercher après. cherchez-le, non, mais. Tu sais. Et oui, c'est la mousse, ouais. Ah, ouais, c'est particulier. Hein. Très beau Twitter. Ouais. Ouais. Assez fiable, ça. Il n'y a pas de risque que ça. Non. Non, ça va. Est-ce que tu as des Twitter qui peuvent être fragiles? Oui. Non, il faut. Il se peut qu'il y ait des soudures qui se défassent, mais. D'accord. Ça, c'est parce que c'est de ma faute. J'ai excès de confiance et c'est les aigus. Alors parce qu'il y a une petite diode qui s'affiche là en rouge. Ouais. Qui dit elle est dedans là. Elle est là. Mais j'ai repris à l'identique de. De l'enceinte. De l'enceinte d'origine. D'accord. Et quand elle s'éclaire, c'est. Attention, baisse un peu le son. Ouais, c'est des enceintes qui font 50 watts. Et l'aigu, en général, c'est le tout petit filament qui est à l'intérieur qui fait office de fusible. D'accord, oui. Donc, c'était le test. C'est lui le fusible. Bon, voilà, quand on a une bonne loupe à faire à souder, ça se passe bien. Et qu'est-ce que tu voulais nous... Ah si, il y a aussi ça que tu pourrais nous en parler un peu, Nico Des pieds, peut-être. Ouais, les pieds, ouais. Bon, là, on les voit pas très bien, mais... Les pieds, bon, alors, c'est des pieds que tu as réalisés Oui, c'est une réalisation. C'est incroyable, on dirait que ça sort tout droit du commerce, quoi. Du magasin. Ah ouais, franchement. Ouais. Voilà. Parce qu'on le voit mieux. Ah bah voilà. Ouais. Voilà. Attends, je vais mettre l'enceinte. Un magique pied. Voilà. Voilà. Et ça fait un petit ensemble qui est pas trop moche. Ouais. On va dire.
Et donc, ce type de pied-là, Paraît-il, il y aurait une histoire de résonance entre un qui fait du 100 et l'autre 400 Hz. D'accord. Bon, oui. Bon, écoute. Bon, écoutez, Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment, t'as bien bossé quand même. Hein. Franchement, ouais. C'était pas mal. Bravo. On s'est bien amusé. Bravo à toi. C'est, Bon, bah, voilà. Hein. Je pense que. Bah, je sais pas si on a fait le tour, Nico, t'as d'autres choses. Je pense qu'on a fait le tour. J'espère que vous aurez le droit à une belle écoute. On va se faire ça de toute façon. Des enceintes. On peut revenir au centre, parce que là on va plus te voir. Eh bah, écoute. En tout cas, les amis, dites-nous un petit peu en commentaire si ça vous plaît ce genre de vidéo avec des projets do it yourself comme ça qui c'est complètement hors du commun, parce que ça, je suppose qu'il n'y a personne qui l'a réalisé. De la façon dont tu l'as fait avec les haut-parleurs, non. Je pense que j'ai rien inventé. Ça a dû se faire à un moment donné ou à un autre. Ouais, puis même le filtrage, c'est toi, c'est ta réalisation, tu vois. Enfin, voilà. Pour moi, tout ça, c'est unique. Voilà. Oui. Donc après. Bon, après, voilà, il n'y en a qu'une seule paire au monde. Il n'y en a qu'une seule paire au monde. Elle est là. Et, j'avais peut-être la petite question. Est-ce qu'un jour tu les vendras? Est-ce que ce sera à vendre ou pas? Je sais pas. Potentiellement vendu, potentiellement à vendre. Ouais. Oui. D'accord. Bon, bah, écoute. Voilà, après. En tout cas, voilà. c'est une belle réalisation. De l'artisanat. C'est de l'artisanat, voilà. Ouais, et l'artisanat français, pour le coup, là, ça vient, c'est pas importé de je sais pas d'où. C'est top. Vraiment très content d'avoir pu faire cette vidéo-là avec toi. Bah, moi aussi. Et écoute, on va passer maintenant à l'écoute dans la prochaine vidéo qui va suivre. Parfait. Donc, voilà. Bon, bah, les amis, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et puis surtout dire qu'est-ce que vous pensez du travail de Nicolas qui est. Très très bon, moi, je trouve, hein, vraiment top pour une première réalisation, parce qu'il y en aura d'autres apparemment. Merci. Oui, donc, voilà, de la restauration, c'est une mise en bouche, on va dire. Voilà. Mise en bouche. Hein. Ben... Le bouquet de fleurs va être garni après, ça va être un sacré. Alors, il y a une restauration. Alors, je vais parler d'une chaîne concurrente, mais Manu a fait une restauration. Ah, Manu, je connais. Ouais. Moi, c'est même pas un concurrent, c'est mon pote Manu, tu vois. Bonjour Manu. Hein, au passage. Salut à toi Manu, j'espère que ça va. Alors, Manu a fait une restauration d'une paire d'enceintes avec des œufs. Voilà, des œufs comment sur le plat ou à la coque? Non, des œufs avec des haut-parleurs et voilà, c'était un kit particulier. Oui, la mini onken. Moi je vais faire une restauration sur un kit de la même époque qui a été préparé par la même marque. Ouais. Donc avis aux auditeurs. Ça va être une surprise alors. Avis aux auditeurs si vous arriverez à trouver le modèle. Essayez de trouver le modèle, voilà le fameux kit. Donc si vous retrouvez le kit de Manu, on trouve une documentation sur internet. Ouais. Il y en a très peu. Et voilà, moi ce que j'ai est dans le que vous trouverez sur internet. Encore un beau projet. Donc restez connectés les amis. Voilà, restez connectés. Voilà. Bon, sur ce, à tout de suite pour la vidéo d'écoute. Allez, ciao, à bientôt Nico. Salut, au revoir.